Hello, everybody. Here we are. It is a special day today. A very special. Oh, I already have the goosebumps from the music. Oh my god. Nah, it's very special today. Let's start! Let's go! Let's go, let's go, let's go! This is me. Ah! Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rentrée. Oh Eleazar ! George, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Let's go ! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux dame. All right, it's starting. De t'avoir vu avant ton départ pour les classes. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Oh oh. Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrok. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Oh, I thought we were gonna see... C'est ta femme, Eleazar. Hogwarts. M'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrok avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message.
Je ne peux que supposer... Il a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrok. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez! Nous ne savons pas. Oh! Alors les sons sont décalés. Mais bon, on va faire avec pour l'instant. La clé ! Donnez-moi la main ! Action ! Wouah ! And this is how we've seen death for the first time. Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi. All right, let's go. Mais où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines... Vous que le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé... Et que vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Wow. Ok. Let me just check if I can change language. Mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette.
Oh yes. Vers le centre. Alors. Ok. Magnifique. Sélectionner une cible active. Certains joueurs préfèrent sélectionner une cible ennemie. S'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Ah ! Là-haut ! Oh ! Not bad for an old man. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Hey yo, the game looks dope like this. Accrochez. Well, now my settings are like my PC's handling the graphics. I choose. Fortnite's handling very well. I'm glad. Ici. Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte loin nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Ah, mini carte. Professeur, cette statue... Il devait sans doute vivre ici. Ah, je crois avoir trouvé le chemin. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer enfin? Oh! C'est quoi ça? It's the. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. On n'est plus au même endroit. Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Wow. Wow. Okay. It's a goblin. Y a quelqu'un?
C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. There's a problem with the eyes, though. The game. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme ? Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Trop stylé. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Trop stylé. Oh là là. Combien y a-t-il de coffres à Grégoire? Wow. Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont intéressants. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Ah! Ouah! Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres à fermer. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Waouh! Oh là là, j'aime trop! Numéro du coffre. 12. Coffre 12! Et quelle journée! Bon, allez-y. Réceptacle du porte au loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Ok. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. I was just checking with my mouse. Still handles the settings. Looks like it. For now. Coffre 12. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites,
Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... It's always like this, bro. Je m'attendais certainement pas à cela. Oh. Réfléchissons. I saw it. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Yes, I saw it. Revelio, peut-être. Revelio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Ah, pardon. Ok. C'est bon, j'ai... Revelio. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Ok. Porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce corps. Revelio. Je vous en prie. Rien à choper, là. Et un coffre. Ah mince, j'ai loupé un coffre. Déjà. Fuck. Lumos, ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Oh, y a rien. Ok. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Que j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Je vois quelqu'un. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue... Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Nice. Lumos, bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Oula! 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 Attention! Protego! Ok, ok. Oh mince.
j'ai pas vu l'attaque. Ah ok, j'ai vu le signe. Il y a une attaque. Là. C'était tellement badass. C'était incroyable. Lumos. Lumos, c'est où? Professeur Fig. Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. C'est passé où? Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. C'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Ok. À la croisée des mondes. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Maintenez Y lors de Protego pour contre-attaquer et détruire les ennemis avec Stupéfix. Oh, ok, trop stylé. On va voir ça. Ah, vas-y, viens. Ouh, ok. On va s'y habituer aux touches, on va s'y habituer. Oh, mais que c'est stylé! Ah, appuyez sur L pour courir. Ah, très bien, on peut courir. Super. Et ça fait flipper pour l'instant, c'est trop cool. Qu'est-ce que... Potion. C'est une potion. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça. Flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. Ah. Pour voir les souvenirs. Oh bien. Voyons aussi. Imitez-moi. Tête dedans.
Oh là là! Oh les souvenirs! Tout est en place. Charles Brookwood, Percival Rackham. Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre. Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Ok. Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être Georges sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... Tout m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrok. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Sacré honneur. Vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous ? Elle utilise la magie sans baguette. Je ne donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Dépêche, 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 dépêche. Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous ? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don
arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. Oh là là, la musique d'Harry Potter, ça donne des frissons, nom de Dieu. C'est énorme. Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Parfait. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrok. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Un ancêtre de Sirius Black. Directeur de Poudlard, c'est incroyable. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Au revoir, professeur Fig. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Ah, c'est professeur... Oh là là! Bienvenue, vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Une rousse, hein, pour pas changer la tradition. Et le choix pauvre. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Moi j'ai hâte de commencer les cours en vrai. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués.
Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Vous êtes rusé. Oui. Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serdaigle. Non. Non. Je sens une grande ambition. Oui. Une soif de pouvoir. Ça, ils m'ont mis à Serdaigle parce que j'ai créé mon compte Harry Potter Fan Club là. Et j'ai fait un test qui était nul. J'ai fini Serdaigle. Donc j'ai fait un autre test 2 jours avant et j'étais bien Serpentard. Pour ça, ils m'ont recommandé à Serdaigle là. Serpentard tous les jours. Tous les jours. Vous irez dans la maison Serpentard. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh non. Comment ça, mon bœuf ? Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ce ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que cela ne vous effraie pas. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Ah. Aspiration. Très bien. Aspiration. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti? Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bon, alors. Je vais juste baisser la qualité parce qu'en vrai, ça tient pas. On va pas se mentir. C'est déjà en bas? Ah ouais? Ah ouais, c'est déjà en bas. Ouais, non, ça sera jamais. Oh non, on va laisser en bas, ok. Ah, hop.
Ça me va. Juste un petit peu par moment, c'est bon. Revelio. Ah, je peux viser comme ça. Ah oui, maintenant je peux viser, ok. Revelio. Lumos. Oh, tu peux manger, ok. Il l'a chopé de bien loin la pomme. Enfin. C'est détaillé quand même, hein. C'est joli. Hein. C'est joli. Ah mince, par contre, je confonds toujours les touches pour courir. Ok, donc c'est la maison Serpentard, ça. C'est trop nice. La présentation s'impose, il me semble. C'est l'élève de 5e année qui vient d'arriver. J'imagine que... Non. Je peux t'aider ? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Palot. Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. C'était... On va se mentir, c'était terrifiant. Le professeur Fig et moi avons de la chance d'être encore en vie. C'est sûr. Comment vous êtes-vous échappé ? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Qu'est-ce que tu lis ? Quel livre es-tu en train de lire ? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard ? Lesquels ? Excellent. Je vois qu'on se comprend tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. Et déjà dans le vif du sujet, lui. Hein. Bonne journée. Ok. Notre présentation s'impose. Jolie la salle. C'est la salle commune, j'imagine, ouais. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Sinistre. Mais comme tout bon serpentard qui se. Ya respecte. On est dans le thème, quoi. Ah ouais. Ah, c'est très à même la pierre et tout. Très entre le gris et le... Oh, mais non. Ça joue tout seul, là. C'est énorme. T'as déjà perdu. C'est trop bien fait, tu fais brûler le papier qu'à... Oh là là, mais c'est trop bien fait. C'est énorme, ça fait bouger la plume. Bon, par contre la partie d'échec c'est toujours la même. Moi ça bouge. J'aime bien. Tu ne vas pas faire ça quand même. Oh, elle a l'air chiante. Regarde ça. Je t'aurais prévenu. Échec et mat. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi le nouvel élève de Serpentard. Tu as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires.
C'est des bruits. On s'en est occupé. Et je pense que tu sous-estimes la force d'un dragon. Il n'aurait fait qu'une bouchée de ton balai. Pas avec moi dessus. Peut-être qu'un de ces jours, je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. Ah ouais, d'accord, la Hermione de Serpentard, quoi. J'aimerais enfourcher un peu mon balai avant le début des cours. Oula. Non, attends, reste calme, Serette. Hein. J'ai à peine ton prénom, là. Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours. T'en enfourcheras des trucs plus tard. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Ouais, bah moi, je vais avoir un hippogriffe au lieu d'un balai. Cher. Dans ta mère. Tu joues beaucoup aux échecs version sorcier. Tu savais que cette fille allait perdre la partie. Pas vraiment. Cette fille. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. C'était un mec. C'est pas assez difficile pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit? Au revoir, Imelda. C'était un plaisir. Il faut pas jouer en E6, il faut jouer en E7. Vieux ça. Ah voilà, Hermione quoi. Ominis Gaunt. Je crois que j'en ai entendu une. Ah oui, ils ont un aquarium comme ça ici là. Waouh. Jour où ça pète. Que les sirènes nous trouvent très intéressant. À en juger par tout ce bruit avec l'entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es le nouveau cinquième année. Je m'appelle Ominis, Ominis Gaunt. Enchanté, Ominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. Si je veux laisser ma marque ici, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Ah, tu es dans la bonne maison, alors. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours, même si je doute que tu en aies besoin. J'ai rêvé où cet élève a dit avoir entendu une sirène. Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. Tu pensais être envoyé à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. D'accord. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Merci, Ominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on se recroisera. Cinquième année à Serpentard est-il ici? Le professeur Weasley t'attend près de l'escalier. Merci. Merci, merci. Ok. On va pas sprinter, on va prendre le temps. Pourquoi tu sprintes, frérot? Pourquoi t'es pressé comme ça là? Voilà, c'est joli, c'est joli. Un coffre. Bonjour. J'ai vu le coffre. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. Oui, professeur Weasley. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E. Le brevet universel de sorcellerie, élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, un grimoire. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile.
Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Oh! Alors. Par ici. Ouais, 2 secondes. Offre de maison placée. J'aurais D'accord. aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. J'arrive, professeur Weasley. Tout est trop joli. J'aime bien parce que c'est très sombre, mais c'est vraiment comme dans les films. Parce que tout est à ta... Ouais, tout est à ta... T'as la lumière de bougies. Et de petites flammes. Ne traînez pas. Très joli. Oh, ah oui, il bouge. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur cette statue pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. Revelio. Très bien. Statue de Kelpie. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métamorphe originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne qui prend généralement la forme d'un cheval. Ah, la crinière ondoyante. Le plus grand Kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness, en Écosse. Ah. Ah, c'est énorme. Ok. Lunette royale de Poudlard, carrément. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Oh, y a plein de sorts. Plein de sorts! On taille les ennemis à distance en infligeant des cons. Oh là là, des dégâts considérables. Chla! Expelliarmus! C'est trop bien ça. Sendo. Ça, c'est des sorts de force. C'est des sorts de dégâts. Des sorts de contrôle. Des sorts utilitaires. Des sorts de métamorphose. Oh, c'est trop beau. Et des sorts. Oh, les 3 sortilèges impardonnables. Abarakadabra! Pouf. Andoloris. Impero. Ah, je veux tellement les utiliser. Réparo. Cette base, tu peux fixer. Ok. Protego. Protego. Pardon, professeur Weasley, j'arrive. J'arrive, madame. Ah, mais du coup, on a juste fait vraiment un aller-retour, quoi. Ok. En plus, ça va être open world, donc je vais pouvoir me balader dans le château en soi. C'est énorme, vraiment. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Oui, madame. Waouh, elle est jolie la carte 3D, avec les terrains de Quidditch.
Ah ouais, du coup, il y a là, les étages. Oh, c'est trop bien. J'adore. D'accord. Ok, très bien. Hop. Ah, Révélio, oui, ok. Dis que les ennemis aussi. Bon, par contre, les TP sont pas... Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Waouh. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Waouh. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Ah ouais, tu m'étonnes, ça y ressemble, hein. Ça ressemble fortement. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et ouais défense contre les forces du mal aujourd'hui. Bien sûr. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Ekat pour enseigner cette matière à nos élèves. Ok. Dernière question. Qu'est-ce que Préolar ? J'avais mentionné Préolar, professeur. Préolar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin. La bière au beurre. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Voilà. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Ah ouais, la chance. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Est-ce que... Moi, ça Weasley ou pas ? Est-ce que ça va avoir un impact déjà ? Sur ce qu'elle devrait savoir, parce que Fig, il a demandé est-ce qu'on garde rien ? Enfin... qu'on révèle rien. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Voilà. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier.
Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller, après Préolard, faire quelques emplettes. Sayonara. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. J'ai fait de mon mieux, mais je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Bah, nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. L'icône représente les quêtes principales. Ok, classique. La salle est loin. Seul en sorcellerie. Ok. Moi, je vais commencer par le truc des forces du mal direct. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend entre les cours et vos achats de fournitures après Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. Oh, c'est un artisan hors pair. Il a quel âge, lui ? Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations. Le jeu, c'est quand même, c'est quand même 100 ans avant Harry Potter. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. 60 ou 100 ans, je sais plus. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Bon, très bien. Du mal. Wow. Bon, y a des passages où je galère. Hein. Environnement extérieur là. Les moments de transition surtout.
Oh, les lunettes, je vais pas kiffer, je crois. Et le béret. What the fuck? Ok. Ok. Ah, oh, c'est ça la nudité dans le jeu. Ok. On va garder la tenue quand même. Pour l'instant, on va rester comme ça. Classique. Bon, on va essayer de tenir comme ça. De toute façon, là, c'est parce que je suis en live aussi. Il faut pas que j'oublie. Je streamerai pas le jeu tout le temps. Si ça tient à peu près comme ça, que ça a juste un peu de mal dans les moments de transition, je me dis que ça devrait aller à peu près dans le reste du jeu. Là, c'est bizarre. Quoi, c'est tout? Levioso! Professeur Ikat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref! Vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. Eh belle sa baguette. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles. Levioso. Levioso ? Un sortilège de lévitation ? Levioso ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. J'aime bien les badass. C'est parti. Levioso. Oui, ils disent Levioso, pas Wingardium Leviosa. Ça m'énerve. C'est du copyright. Bien. Alors que c'est la même franchise. Expelliarmus. S'il te plaît. Alors
moi ça me plairait parce qu'ils apprennent les vieux sauts. Commençons comme les premières années. Le lancer de base. Yeah. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un Levioso. Bien. À présent, le lance. Bravo. Encore. Ok, fallait faire encore. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se peut. Mais bien. Non. Vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso. Il y a la scène en plus. Oh là là. Et Protego. Oh, c'est vous légendaire cette scène. C'est légendaire. Oh, du coup, ça ferait. Levioso. Tu es en forme. Lisa pendant qu'il est en l'air. Je n'arrive pas à croire que ce soit ton premier duel. C'est juste que j'attends vite. Levioso. Les duels animés sont passionnants. Tu vas mourir. Eh, c'est incroyable, le petit combo déjà là, alors qu'on maîtrise littéralement 3 sorts. Pas mal pour quelqu'un qui c'est cool. Tu rends coup sur coup. Et tu m'en as pas mis un seul, mon pote. Hein. Ta tête de sang de bourbe. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Hecate. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Oui, professeur Hecate. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Super. Très bien, le spectacle est fini. J'enlève mes gants parce que du coup... Fait chier d'avoir hiver. Qu'est-ce que c'est que ça? Page de Revelio. Oui, d'accord. On va enlever les gants. On va rester sobre pour l'instant comme ça. Le cours est terminé. Tu as combattu Sébastien en duel. Il est très doué. Bien joué. J'avais toujours pensé que les vieux sauts étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Je n'aimerais pas affronter le professeur Hecate. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et oui. Oh, je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Ah, allez, ça c'est un pouf souffle, hein. Et ouais, mon pote, hein. Putain. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Je me suis déjà battu. Bah oui, contre les statues. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Ok, ça me parle ça. Ça me parle ça. Exclusif et clandestin. Première règle du club. De duel exclusif et clandestin, on ne parle pas du club de duel exclusif et clandestin. Deuxième règle du club de duel exclusif et clandestin, on ne parle pas du club de duel exclusif et clandestin. Ça m'intrigue. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard,
Tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Oh d'accord, lui, que il ce est... soit pour rejoindre un nous club. Nous pousse au vice dès le début, quoi, y a pas de... Pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. Je m'en souviendrai. Hop là, vite. Ça part balancer peut-être au directeur. Dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Je vais te massacrer autant de fois qu'il le faut, mon pote. Près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Un coffre au-dessus, Skip. Oh, moi je veux juste savoir si je peux entrer. Lors de niveau 2, putain, je peux pas y entrer. Les vieux sont. Nique les livres ici, mon pote. C'est parti. C'est trop joli, c'est vraiment trop beau. Les graphismes ne chargent pas là. Allons, Annabelle. C'était il y a longtemps. Je suis mort. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Ça marche. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour deviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces. Enculé, je viens d'arriver. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Axio. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Axio, exactement. Et voilà. Ça c'est fait. Axio. Ce sera avec X ou A, j'imagine. Pas j'irai mal X. Du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé.
bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Trop bien. Oh, je vais te choumer. Bois. Nice. Le fils du guide du sorcier. Ok. That's how you read French. But anyways. Ba-ba-bom. Ok. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Ok. Il est trop bizarre. Il est trop bizarre. Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Bien. Excellent contrôle. Oh. Non. Votre calme. Très bien. Ok. Superbe. Oh, c'est beau ça. Ok. Très bien. Des points pour Serpentard. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Ok. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Allez, premier duel Serpentard contre Gryffondor. Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Ça va. Compris. Regarde bien. Oh la vilaine. Oui. À moi. Non, je veux elle. Action. Oh, je suis loin. Mince. Voilà. C'est parti. Oh, sur la ligne quoi. Ah ouais d'accord, elle fait que des 50. Et voilà. Impressionnant. Voyons voir. Ah shit, toi là. Ouais. Bon, il y a moyen de faire l'égalité. Voilà. Est-ce qu'on est prêt? Action. Égalité. Très bien. Match nul. Fuck. Sur la ligne, hein. Sur la ligne. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Ah oui. Oui d'accord. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Regarde bien. Ah ouais, elle fait que des scores parfaits.
Attention. C'est 50. C'est magnifique. Avec le, le rebond en plus. Magnifique. Oh tu l'as chié celui-là. Oh c'est mon moment. Ok. Ce n'est pas banal. Action. Non. Ça ne me gêne pas. Oui, c'est 50. Oh la chatte. Putain. La chance. C'est parti. Voilà, elle fait un 50. Normal. Elle fait un 30. Elle fait un 50. Voilà comment on fait. Sauf que moi aussi, let's go. Un score parfait, c'est remarquable. Alors, meilleur élève de la classe, mon cul. Bravo à vous deux, bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi, c'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'utilise à Ouagadou. Pour ça, le gobelin, il vient de Ouagadou. Ils sont sûrement moins puissants, non, sans la baguette. Mais j'imagine que les sorts lancés sans utiliser de baguette doivent être moins puissants, non ? Non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Ah, ça sert à quoi alors la baguette ? Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça protège plus. Beaucoup d'utiliser comme une épée, quoi. Tu compares un coup avec une lame plutôt qu'avec ton bras, quoi. Bon, après, Ouagadou, vas-y. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. Ah bon ? En réalité, Axio. Utilisé sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sont. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. C'est la salle du prof. Je peux vous parler un instant ? Ouais, j'arrive. C'est haut de niveau. Oh, toi, tu fais tes devoirs, toi ? Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Comment ça juger, toi ? C'est le premier jour. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers
en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. C'est professeur. Eh, bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver ? Oui, tout à fait. Bonjour. Tu voulais me parler ? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien... Bah, ouais, je viens de dire que je me suis débrouillé, j'ai pas dit que j'avais de la chance. Change un peu de dialogue, là, les gars. J'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Non, en vrai, c'est vraiment un aspect que je comprends pas trop, tu vois. C'est des cours de sortilège. Qu'est-ce que tu veux... Si tu maîtrises moins tes sortilèges, qu'est-ce que tu veux réviser que de la théorie, tu vois? Est-ce qu'il y a un sens profond? Est-ce que, voilà, il y a des runes derrière, des machins et tout? Enfin, non, des runes, non, mais... Je sais pas. Est-ce qu'il y a une compréhension en plus à avoir avec de la théorie plutôt que de la pratique? Sachant qu'il dit qu'il faut juste s'exercer pour développer son potentiel, je sais pas. Là... D'après son dialogue, à la meuf, elle va réviser ses cours théoriques, j'ai l'impression. À moins que je me trompe, tu vois, mais... je veux clairement faire ça. Je veux clairement faire ça. Club d'oncle. C'est fou. Il y a la carte du monde. Oh my god. Alors fais voir un peu. Mais c'est que c'est grand. Ah mais c'est pas mal. C'est très en long. La forêt interdite et tout. Ah c'est pas mal. Oh c'est grand. Ah je suis déjà niveau 2, ça c'est cool. En légendaire. Fais voir un peu. Peut-être en mettre des gants là. Si j'ai des gants légendaires. Bah. Ah bah non. Ah bah. Eh bah dis. Sur mes gants. J'ai sur moi là. Collection mise à jour. D'apparence des... Ok, super. Alors, vraiment, j'ai rien, quoi. Ça. Là.
D'accord, alors c'est juste une apparence. Si je fais ça. Bah ouais. Oh, ça sert à rien là pour. C'est clairement un chi. Ah c'est... Non mais là j'y suis. Talent. D'accord. Pas tout compris. C'est alors que les loups-garous ont rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins ? Où et finalement, c'est Albert Bout qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui affirme que ce n'est que pas un mensonge, Peeves. C'était Albert Bout. Non, c'est faux. C'était Basil Flack. Ouh, allez, débattez. Très osé, cette attaque. Le ministre était-il Bout ou bien était-il Flack? Arrête ça, Peeves. Tu vas nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir des ennuis, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle dit Bout et il dit Flack. Peeves, qui va l'emporter? Ça suffit. On va finir en retenue si tu continues. Et vous vous trompez à nouveau. C'était Esfaïstus Gore. Ce n'était donc ni Bout ni Flack. Mais vous aurez tous des ennuis avec le professeur Black. D'accord, ça marche pas. Comment on comprend? Donc, là c'est deux. Et deux correspond à quoi ici? C'est comme ça, genre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ça ferait 1, 2, donc c'est 2. Faudrait que je mette la licorne. Y'a pas la licorne. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Oh. Ok. Revelio. On voit comment elle marche l'énigme. Sept. Oh, est-ce que c'est pas 1, 3, 5, 4, 6, peut-être ça non, attends, peut-être 5, il faut que je trouve, peut-être... C'est rien. Oh.
Je ne comprends pas. Action. Défi réussi. C'est des chats. Hein? Ah, tu peux les caresser. Il est pas très beau lui, hein. Oh, tu peux caresser les animaux. Et c'est stylish. Ah, toi aussi tu mérites. Ah, lui il est stylé. Il est joli. Putain, je crois pas. Donne. Levioso. Revelio. J'arrive pas à comprendre. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été. Ah, y'a full truc à avoir. Vraiment, à quoi correspond la licorne? Putain. Y'a aucun chiffre d'indiqué. Ça, hein. Ok, deuxième. Troisième. Juste. Oh. Revelio. Très encadré. Chapeau de sorcier épouvantail. D'accord.
J'ai rien compris au... Ouais. Défense 3. Oh putain. Oh la gueule. Non mais c'est une honte. C'est une honte. Ah, je le porte, mais c'est invisible. Ah, c'est très bien ça. Oui, parce que bon, c'est pas très joli. Pas très beau quoi. Halo de mage noir. Ah, oui, donc on va peut-être éviter de porter ça. Oh, il est stylé, celui-là. Ça dans l'enceinte de l'école directement. Ok, et du coup j'ai gagné en défense. Super. D'accord, j'ai compris. Très bien, très bien. Bon bah parfait. Par contre je n'ai pas compris les dingues. Pourquoi ? Ça et ça, ça allait ensemble. C'était combien? C'était 5 et ça. 3, 4, 6. Donc ça, ça faisait 2. Bah non. Oh frère, j'ai rien compris. Casse. Hop. En route pour de nouvelles aventures. Tu parles. Ah d'accord, la meuf de. Oh là là, le petit pont là. Mais waouh. Ah mais waouh. Ah oui d'accord, c'est déjà sur leur balai en fait. Ah oui. Droite. D'enfourcher Imelda. Mon balai. Mon balai. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de... Ah d'accord, le... Le clown. Réveillon. Y a pas grand chose ici. Oh, récupérer. Ok. Bernd Quidditch là-bas, trop stylé. Tu es pu venir. Lucan est juste là. Ouais, ouais. Revelio. Levioso. Oh, d'accord. Je suis trop chaud. Vas-y, mais ils ont fait un trèfle monstrueux sur les décors, c'est un truc de fou. Revelio. Trop joli partout. Ça.
d'accord. Un raciste. Action. Rébellion. Yeah. Cette armure. Je peux t'aider. Action. Les Leviosa. Je peux t'aider. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joute Magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit... Oh bah oui. Ça t'intéresse ? Yes, of course. Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Oui. Oui. Ah mais y a l'autre, y a l'intello aussi là-bas. Sur le terrain. Non, attends, que le feu d'artifice commence. Ah, surdoué là. Ok. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Arme là, frère. Explosé au sol. Là, des sortes de contrôles. D'accord. Les jaunes, j'utilise du jaune. Tiens. Ok. Verrouille un ennemi. Super. Lumos. C'est pas ce que je... Oh bâtard. Ah ouais, tu peux faire action sur un autre humain, il avait raison là. Voilà. C'est énorme, j'adore. Énorme, j'adore. Bravo. J'adore. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Ok. J'espère te revoir ici bientôt. J'ai reçu quoi comme récompense ? J'ai vraiment reçu des trucs là ? Collection. Ah non. Ah et ça c'est mes ensembles. Pas du stuff. Ah cool. Ah c'est la tenue de Serpentard que j'ai eu, pas celle de Sardaigle. Ouais, bah c'est bon, c'est bon. C'est... Très bien. Ah génial. Génial. Hâte de la mettre. Inventaire, non. Défi. 3%. Lunette studieuse à demi. Ah non.
Ah, j'ai juste reçu de l'XP, quoi, non? Ouais. D'accord. Ah, il y a des cartes du monde, des cartes de Préolard aussi, j'en vois. Sur le retour Twitch. Vite, je suis à la bourre. Vite. Faut descendre combien d'étages, mon frère? Ah, freeze. C'est bon, c'est revenu. Tiens. J'ignore si le directeur est là en ce moment. Nous veillerons personnellement à lui raconter à quel point vous le méprisez. Ne jamais oublier ce que cet élève, Pouf Souffle, a dit en 1421. Cette pierre est... Réveillio. Qu'est-ce que vous mijotez? Ah, c'est parti, commence à la quest. L'apricourt de Weasley. Oh! Et pour la salle, professeur. Chic. Je me disais la même chose, Chic. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chic. Ah! Vous voilà! J'aime trop, franchement j'aime trop. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Hecate et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de... Oh là là, me rappelle trop McGonagall, c'est trop bien. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la oui magique idéale. Oui. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Trop bien. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ?
Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Qu'un créasor. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent à Préolar ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolar. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Pour aller choisir une baguette, qui serait de meilleur conseil ? En vrai de vrai. Oh, j'hésite. Sébastien, il a le pouvoir, mais Nati, c'est une surdouée. C'est bien sa baguette. Moi, je crois que je suis pas très fan de Sébastien. Moi, je suis pas très fan. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Allez, c'est parti. Revelio. Oh. Réparation, réparo. Oh. Allons débloquer réparo. Juste là en plus. Ah, ouais. Vous voilà. Dis-moi tout. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, réparo. Comme son nom l'indique... Il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Alors, récupère la page volante près de la statue brisée. Récupère la page volante dans la tour à défense. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Ah. Revelio. C'est où la cookie ? Levioso. Action. Alors,
certes pas elle, mais... Ah. Levioso. Mince. Je suis trompé. Action. Et voilà. Super. Mais ok, Levioso droite. Levioso. Et action. Je confonds encore un peu les deux. Hein. Il doit un peu y avoir mal. Une page volante dans les parages. Alors... Ouais, un peu de mal dans les moments de transition. Non, bah non, je comprends le mot. Hop. Voilà. RTX pour attirer les trucs. C'est bien, ça fait de l'XP en plus. Ouais, moment de transition, un peu de mal à charger les textures et tout. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Putain, le monde d'Harry Potter, c'est un truc de fou. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Réparons. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne pouvez pas? C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Coffre. Revelio. Ok, encore cette quête. Revelio. Pas cette quête, non, cette... J'ai vu la page. Action. Revelio. Ah putain, c'est au-dessus l'autre. On a appris que ça, c'était... C'est l'araignée. Vite obligé, c'est l'araignée. Honnêtement, je préfère éviter d'aller après Olar en ce moment. Ah merde, je pars de la ville. Ok, j'ai peut-être une logique. J'ai le signé et le signé. Ok. Oh là là. J'ai trouvé. Énorme. La chance. On pose pied. Forme scolaire. Tartan avec gilet. Where?
Ouais, tu peux mettre la capuche. Ça passe à travers les cheveux là-haut. Ça, c'est la tenue belle. La tenue de base. Ouais, sympa, hein, la nouvelle. J'aime bien. Et j'aime bien. En plus, elle offre de la protection. Allez, ça part. Changement d'apparence là. Quête. Quête et carte. Être aussi difficile que ça en a l'air. De quoi ? Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier ? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Et surtout, viens me le dire si tu trouves Lumos. Une idée lumineuse pour résoudre. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Oh. Statue d'un gros. Qu'il est dit. J'ai vraiment dépassé les bornes.
trouver. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Je vais te mettre les quêtes à jour à suivre. Vraiment ? Comment ? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. Ah, trop le seum. Tenue royale, j'ai vu. Voir un peu. Oh la dinguerie. Elle est moche. D'apparence. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Nati, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolar. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolar digne de ce nom. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Je trouve le cours de potion ennuyeux à mourir. Pas en mode photo, en vrai. Non. Hein. C'est pas. Bon, et bah vous savez quoi, avant de quitter l'enceinte de l'école, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et on reprendra soit en stream, soit je reprendrai tout seul. Là j'ai grave la dalle en fait. Je vais aller me chercher à manger. Et faire des courses, tout ça. Et bah voilà, pour ce qu'il y en est de découverte de l'intérieur de Poudlard. Pour ce qu'il y en est de l'extérieur, ouais. Je le ferai soit... Réparo. Je le ferai soit hors ligne. Oh, il y a la serre là-bas.
Soit je le referai en live plus tard. Mais voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Un super super découverte. C'était trop bien. Trop bien ce jeu. Il va être excellent. Je vous fais des bisous tout le monde. And I wish you happiness and joy in your life. Your lives. Take care and I'll see you next time. Bye bye.